Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je me nomme Théa Beaucoup Fernand. Beaucoup, je le prononce en BT parce que je suis BT de Kanoa. Voilà, je suis de la sous-préfecture de Ouragayou, précisément du village de Djedje Dibuipa Kei. Voilà, on ne va pas s'attarder sur Théa ni Fernand. On va s'attarder sur Beaucoup. Beaucoup qui s'écrit B-O-K-O-U. Beaucoup, pourquoi? Pourquoi je vais parler de beaucoup? Voilà, parce que c'est beaucoup, c'est originel. Voilà. Les Blancs, ils ont les noms qu'ils nous donnent. Voilà, Franck le Beuf, voilà, Christian le Sauvage, voilà, Didier le Bec, ils ont vraiment ces noms-là qui nous vont. Et moi, je vais ressortir les noms de nos patois, de nos villages, les noms que nous portons au village. Voilà. Donc, je vais parler aujourd'hui spécialement de beaucoup. Parce que la charité bien ordonnée commence par soi. Je suis en train d'entrer dans une phase où, en tant que cinéaste, en tant qu'homme de la culture, je veux valoriser nos noms, voilà, nos noms africains. Nous sommes assez qui portons les noms de nos villages, mais qui ne savons pas l'origine de nos noms, et les qualificatifs de nos noms, et les significations de nos noms. Voilà. Donc je m'attarde sur beaucoup. Beaucoup vient de blé, qui est une variété de singes, blé. Voilà, quand ils sont nombreux, on les appelle bois. Et leur peau, en BT, c'est cou. Donc, blé na cou. Voilà, c'est ce que ça veut dire tout simplement. Beaucoup, bois na cou. Le pilage, la catégorie de ces singes appelés blé. Donc, au pluriel, bois na cou. Voilà. Et le qualificatif qui suit, blé na cou, ou bien bois na cou, ou bien beaucoup, c'est beaucoup grébelé. On est grenat qui fion yo, alors on a cousin. C'est pas n'importe quel singe. On est grenat qui fion yo. C'est pas n'importe quel singe mâle. Voilà pourquoi les gens le cherchent. Voilà pourquoi alors on a cousin, toujours lui, on le cherche pour son pelage. Parce que ce singe là, il est spécial, il est unique. Il a le plus beau pelage de tous les singes. Voilà, donc avant nos parents, ils te regardaient quand tu venais au monde. Les parents te regardent et puis ils avaient ce génie-là en eux de détecter quelque chose quand ils regardaient les bébés. Donc ils te regardent et ils te collent un nom. Lui, il doit s'appeler comme ça. Et ça te va parce que on dit, voilà, quand il va grandir, voici comment il va être. Voilà. Donc je suis en train de faire des recherches là-dessus. Voilà. Donc moi, beaucoup. Gribelé Alona Kouza, c'est le pelage du plus beau singe que tous les chasseurs cherchaient forcément à avoir à tuer. Mon homo, voilà, il était un bel homme, vraiment, vraiment très beau. Il était vraiment très beau. Il s'habillait bien, il avait une certaine élégance dans tout ce qu'il faisait, ses faits et gestes. En tout cas, tout ce qu'il faisait était élégant, c'était beau. Voilà, il fut même bagnon, il avait une superbe voix, très belle voix. Il mettait vraiment du sérieux dans tout ce qu'il faisait. Voilà, donc moi, son homo, je suis très beau. Voilà. Je suis convaincu. Et toi qui me regardes, tu sais que je suis beau. Donc, je voulais vous dire qu'à partir de cette vidéo, j'entre dans une phase où je fais des recherches sur les noms que nous portons, les origines de nos noms, les significations, puis les qualificatifs de nos noms. Voilà, j'ai déjà fait des recherches sur beaucoup de noms, tels que Oulablé, tels que Zérignon, tels que Koudou, tels que Ouagre, les Okou par exemple, y a les Dramolon, les Obuku. Voilà pourquoi on s'appelle, pourquoi on a le nom Dramolon, d'où ça vient, ce que ça veut dire, le significatif, le qualificatif, les Oulablé, le qualificatif, les Obuku, les Koudou Klinini, vous comprenez? Les Zrignons, ces noms-là, Owalio, Kuyo, Djekake,
Kobongolo. Voilà, il y a plein de noms. Voilà, donc vous qui regardez cette vidéo, vous qui me regardez, cliquez sur j'aime au maxi et puis partagez au maxi. Puis j'attends vos suggestions, j'attends vos propositions, j'attends vraiment qu'ensemble, voilà, qu'on développe l'Afrique. Je suis un homme de culture. Je ne fais pas ça pour ma région, je ne fais pas ça pour mon village. Je fais ça pour toute l'Afrique entière. Et puis à côté ça de cela, le deuxième volet voilà, de mes recherches aussi se porte sur nos salutations dans nos villages. Quand on va au village et qu'on trouve une assemblée, on a une façon de les saluer, les gens ont une certaine façon de répondre. À Kéi Gégé par exemple, on dira « Ebele Gégé na yo !» Et puis on répond « Hein !» Gégé na yo !» Quand on va partir à Daïepa Kéi par exemple, on dira « Ebele Nendrupa !» Ils vont dire « Hein Nendrupa !»« Hein Nendrupa Kourou !»« Hein Anye Nyene !» Et bien les ailes mené. Voilà. Ils savent pourquoi ils disent ça. Et dans le village de Kéi Gégé par exemple, à Gadoukou, on dit « Ebel Gadoua, hein, Ebel Gadoua, hein, Gadoua Kourou, hein, Nouko Baï, Gouraboubou et Kele Noune. » Voilà. Il y a aussi une signification. Donc, je suis en train de faire des recherches, surtout sur les puits avec le professeur Bakamak, avec beaucoup de personnes, nos chefs du village, voilà, les dignitaires, les plus anciens. Voilà, je travaille avec eux. Et puis bon, voilà, c'est notre travail, c'est ça la culture, c'est ça les hommes de l'image. Donc allez, merci et puis souffrez que vraiment beaucoup soient le plus bel homme. Donc vous comprenez que il était vraiment recherché. C'est une espèce rare. C'était une espèce rare. Voilà, je suis rare, je suis une espèce rare. Voilà. Donc voilà, partout où je passe, et je ne passe pas indifférent. Voilà, je suis une dernière rare, on me cherche. Donc voilà, souffrez que je fasse entre griffes, mon atelakou. Parce que, à tout seigneur de ton heure, la charité bien ordonnée commence par soi, comme je l'ai dit. Donc, je fais mon atelakou. Je fais l'atelakou de beaucoup. Voilà, beaucoup de rebelles. On est grenades qui kiffent, beaucoup. Allah, on a tout ça. Et puis, il suffit que je sois vraiment un bel homme. Voilà. Je le dis, je ne vous cache pas, je suis un très bel homme. Donc, j'espère que vous allez partager. Hein. Et puis vous allez vous renseigner sur ma page YouTube. Voilà, le nom s'affiche là au bas de l'écran. Le nom de la page YouTube s'affiche là au bas de l'écran. Voilà, cliquez, allez sur la page. Et puis cliquez sur j'aime et puis partagez au maximum. Et puis posez-moi plein de questions. Voilà, on va échanger sur nos cultures, sur beaucoup de choses. Merci. Et puis allez, à la prochaine. Ciao, ciao.